Vendredi le 9 septembre, vous le savez pas, mais je viens de recommencer, il y avait un bug, un bug, euh, écoutez, je préfère le show très facilement, hein? la reine est décédée, vive le roi, hein? mais on va en parler quand même un peu, j'ai une anecdote moi aussi avec la reine, oui, oui, j'ai le droit, j'ai le droit, euh, je vais écouter un documentaire aujourd'hui de Léa Clermont-Dumont, chose comme ça, je vous salue euh, S, euh, un rapport de 5 millions, on va parler de ça, hein, pour dire au Québec qui est en retard, Fallait pas, ça ne prenait pas un rapport, mon nom et Trudeau, c'était pas l'amour. Mais là, il y en a un qui a sacré son camp, c'était bien évident. Euh, au Québec, qu'est-ce qui se passe, les élections? Et on voit toute la grandeur de notre futur premier ministre. Hein? Pas le Saint-Pierre, le Êtes-vous tombé sur la tête? On va parler du diesel, le fuel, le gazole, les finances. Ça, ça va pas bien pour Cinema World, les G5, insolites. Mais tout d'abord, hein? tout d'abord, c'est le temps de vous abonner. L'actualité vue par un entrepreneur. Sa bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça. bulle. Essaie de faire un spectacle. On va t'arranger ça, un spectacle, moi. On va commencer par chanter une tune que je pense que vous allez aimer. Hein? Je pense que vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Pas autant que François, Juliette ou Simone. Quel que soit le nom qu'on leur donne. Hey, Madame Cahouette, paye ce piton. Il est né un jour de printemps. Il était le septième enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Comme un million de gens, ils ont grandi dans un quartier et où il fallait pour subsister. Serrer les dents, les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand. Les hommes semblent à dents. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Je sais pas si c'était du hein? Ben, c'est fait, la toune. C'est ça, la toune. C'est ça, la toune. C'est ça, la toune. Euh, euh, avant de tomber dans la reine. C'était, n'était que ça dans les journaux. C'est pour ça que c'était un petit peu plus tard un matin. Je travaille fort. <laughs> travailler fort. Il y a juste la reine. T'as par nos. pas juste ça dans la vie. Hein? Ben non, mais mais en blague. Euh, on va en parler tout de suite. T'es en train d'en parler. On reviendra pas sur le sujet là. Euh, comment le Prince Charles a vu ça? Il va s'appeler King Charles III. Hein? Comment que 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 vu ça? Y a-tu Oh non, ma mère est morte. Yeah! Hein? Hey, ça fait 73 ans. Il y a 73 ans, c'est le plus vieux à attendre. Hein? Euh, il va-tu rester roi jusqu'à sa mort? Il a dit j'ai attendu assez longtemps. T'sais. Dans son CV, là. Lui, son CV, c'est euh, attendre. Qu'est-ce que tu as fait dans les 73 dernières années? J'ai attendu que ma mère meurt. Parce qu'il y a des familles euh, riches au Québec aussi, hein? Euh, qui attendent ça. T'sais. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants de, ba de, de, de baby boomers. Euh, le plus grand choc générationnel, hein, un transfert d'argent va se passer en ce moment. Donc, c'est pour ça que le Québec solidaire veut taxer ça à tour de bras. Hein, parce qu'il y a beaucoup de baby boomers qui va passer de la génération, comme moi et mon père. T'es un boomer, moi je ne suis pas un boomer. Donc, s'il y avait de l'argent, ben, ça risque de passer à mes fils plus qu'à moi. <laughs> euh... J'ai mon anecdote avec la reine, moi aussi. Ah oh, ben oui, ben j'ai le droit. Hey! J'ai le droit, là. J'ai rencontré la reine? Ben, pas tout à fait. C'est que j'ai déjà travaillé au gouvernement fédéral, hein, ceux qui ne savent pas, cinq ans. Et à un moment donné, je voulais sortir parce qu'il y avait une fille que je flirtais. Qu Elle ne le savait pas, là. T'sais, moi, dans ma tête, je la flirtais. Je le savais qu'elle sortait un jeudi soir avec ses amis. Hein? Puis je savais que je n'étais pas vite, vite, vite sur la sur, le, euh, sur le flirt. Fait que je savais que je n'avais jusqu'à 3 heures du matin pour peut-être... Lui dire bonjour. Hein? Hey, t'en reviens tu demain? <laughs> de... Allô? Allô? T'en reviens tu demain? pendant qu'on attend pour prendre notre manteau. Euh... <laughs> <Dans> le <bord. rire> là, Elle me disait non, fait que je revenais. Fait que là, j'avais décidé de coller malade. Ma hein? première fois que je colle malade, j'avais des congés payés, c'est la première fois. Hein? J'avais le droit à 10 congés, 15 journées payées de maladie par année. Hein? Donc, 10. 100 papiers de médecin, 5 avec papiers de médecin. Fait que, je dis, ah ouais, on y va, hein. Fait que, le lundi matin, j'arrive. Je m'étais fait à croire que j'étais malade. Finalement, je suis tombé malade pour vrai. Malade de boisson, hein? euh, le lundi, j'arrive. Ma boisse vient me voir. Elle dit, tu as un le de médecin? Je dis, ben non, j'ai 10 papiers. Elle dit, hey, 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 hein? Tu vas signer au nom de la reine. Comme quoi, tu été malade. C'est sérieux, là. Ah, tu as été malade pour vrai? Elle apprenait ça au sérieux la madame. Euh, j'ai fait comme Oh boy, j'ai signé au nom de la reine. Hein? Je déclare solennellement avoir été malade. Oui, 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 là, là, là c'est important, là, 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 la monnaie royale canadienne hein, a, euh, a envoyé un avis que toute la monnaie a cours euh, a cours normal. Hein? Donc, il n'y aura rien changé. Il euh, n'y aura rien changé. Euh, ton bill de 20 pièces vaut encore quelque chose, là, comme les pièces. De, ils ont pris la peine de le, signer, de le souligner, là, Câline, hein? euh, Justin Trudeau a commencé, hein, son, son allocution pour la reine, en tant que douzième premier ministre sous son règne. Il a quand même appris ses mathématiques, hein, notre euh, notre Justin. Il reste quand même, tu sais, 96 ans. 96 ans. Euh, c'est une vraie reine. T'sais, on a beau ne pas aimer la monarchie, là, mais euh, mais euh, quand même, hein. c'est euh, tout un pas. Euh, c'est notre vie à peu près à tout le monde. Hein? On s'en fout, là. elle ne faisait pas partie de nos vies, là. mais c'est une belle reine. Je ne suis pas sûr que King Charles III va passer à l'histoire. Euh, mais voilà. Hein? Ah. Pourquoi la tourne j'ai chanté comme un million de gens hein? Parce que ça m'a inspiré avec le statut que j'ai écrit sur Québec Soldat, qui est sur mon blog. Hein? Bon, dans, dans, sur François françoislambert.wan, complètement beau j'ai un blog. Et j'écris des textes euh, couple de fois par jour. J'ai mis sur Facebook, sur LinkedIn. Et euh, je pensais que c'était juste un petit texte feeling qui était pour faire réagir un petit peu. C'est le texte qui a fait le plus réagir depuis que j'écris Change de job, man, qui m'a valu un débat avec Mathieu Boccoté à Denis Lévesque il y a plusieurs années. Euh, ça touche une corde sensible, hein, parce que encore là, c'est un millionnaire qui parle, qui ne veut pas d'impôts supplémentaires. Pas que je ne veux pas d'impôts supplémentaires. C'est. Honnêtement. Montre-moi que tu vas faire, que tu vas gérer ton argent, mon argent comme il faut. Là. Ça va me fait plaisir. plaisir. Je n'ai aucun problème à payer quand je vais à une entreprise, la taxe sur le gain à capital. Je n'ai pas de problème à payer. Ça fait partie de notre rôle social comme entrepreneur. Mais à un moment donné, à venir en chercher, par 200, chercher, par 200, chercher, alors que tu n'es pas capable de gérer, créer de la richesse, ce n'est pas d'arracher de l'argent aux autres. Hein? La justice, là, pour eux autres, la justice, c'est tout le monde soit égal. Donc, la justice, c'est qu'on ne pousse pas les gens à se pousser, à se développer davantage et à vouloir améliorer son sort, on dit, reste là, là pousse pas trop, on va siphonner des riches entre-temps, hein, on va venir mettre ça dans l'entonnoir. Donc, euh, non, 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 ça m'a fait réagir, ça a fait réagir beaucoup de gens, et c'était pas une attaque contre les salariés, parce qu'il y a énormément de gens qui, ont, qui travaillent pour des gens qui m'ont dit, j'ai ton texte parce que c'est vrai à un moment donné. Hein? Tout le monde doit se dépasser, non pas niveler vers le bas, euh, et c'est pas vrai qu'on va venir chercher. De toute façon, on s'en balance parce que, soyons honnêtes, c'est du divertissement. Hein? Québec solidaire, c'est du divertissement. Ça ne sera jamais au pouvoir. Jamais, 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 jamais. Hein? Ça n'arrivera jamais, là. Faut euh, Jamais. C'est comme euh, Never. Never say never, I'll say never. Uh, lots, of, lots of time. Hein? Uh, lots of time. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Allez, je vais écouter. Euh, je m'en vais à. On va se le dire mercredi prochain à l'émission Radio-Canada que j'aime beaucoup, beaucoup. Et euh, je vais écouter le documentaire. Euh, je vous salue. Euh, je n'ose pas le dire de Léa Clermont. Cl... Léa, euh, maudit non composé. Là. Euh, Léa Clermont, euh, quelque chose. Je vous salue. Euh, C'est un documentaire sur le harcèlement euh, en ligne, justement. Donc, je vais écouter ça quelque part aujourd'hui. Ça fait partie de ma tâche pour être capable d'en discuter. Donc, euh, j'ai hâte J'ai hâte de, de regarder ça parce qu'il euh, y a du harcèlement en ligne. Il y a du harcèlement partout. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je vais, vouloir, je vais vous en parler. Je vais l'écouter d'ici dimanche. Je ne sais pas où je vais trouver une heure et vingt pour écouter euh, ça, mais je vais le faire parce que faut arriver préparé dans toutes les shows de télé qu'on fait. Faut arriver préparé. Euh, mais ça, en fin de semaine, euh, je vais vous montrer les piles. Ma blonde vient de me texter en pleine nuit pour me dire va voir les ventes du livre. Elle a l'air d'être contente. Donc, euh, je vais dédicacer des livres. Je pense toute la fin de semaine, vous allez me voir en direct, soit sur Facebook ou sur TikTok. Je donne une conférence aussi à la FADOC. Donc, un gros week-end euh, à venir. Ah, il y a un gros rapport qui vient de sortir de 261 pages, hein, de McKenzie. Le McKenzie Group, si vous avez déjà vu le film The Firm avec Tom Cruise, c'était basé sur The McKenzie, hein. McKenzie, qui est un groupe de consultants qui charge extrêmement cher. Dominique Anglade faisait partie de ce groupe-là avant de se lancer en politique, justement. Euh, vient sortir un rapport sur la comparaison du Québec versus l'Ontario, puis on traîne de la pâte. On traîne de la pâte, le Québec, donc ils ont fait un rapport. Comment être plus productif? 5 millions pour dire au Québec qu'ils traînent la pâte par rapport à l'Ontario. Ça, là, OK? Vous voulez que je donne de l'argent supplémentaire pour assortir des foutus rapports stupides? Un rapport, par sein de sein, un rapport. On a-tu besoin d'un rapport? Moi, là, si j'étais fonctionnaire, pour me venir me dire. Regarde, on a sorti un autre rapport. Ils servent à quoi les fonctionnaires? On n'a pas assez de fonctionnaires, de gens intelligents dans la fonction publique pour nous sortir des rapports sur la productivité des Québécois et comment l'améliorer. Première chose, comment améliorer la productivité, je vais en parler tantôt, hein? c'est être productif, se présenter au travail, augmenter les heures travaillées. Euh, quand j'avais un centre d'appel, euh, euh, notre CFO, hein, le Chief Financial Officer, Gilles, nous avait dit, regarde les heures travaillées par tes employés. Euh, si tu veux augmenter ta productivité, fallait travailler. Les gens travaillent pas plus que 30 heures par semaine. Et hein, les gens ont besoin d'argent. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on s'entend qu'un centre d'appel c'est un job d'entrée de gamme. Hein? On répond au téléphone. Tu sais, c'est euh, souvent le, le premier emploi pour euh, les immigrants qui arrivent ou les gens qui euh, qui cherchent un deuxième job ou sont entre deux. Ça fait partie. Ça fait partie de la job, là, de, de, de notre euh, écosystème. On dit ça comme ça. Euh, J'étais rendu où? Je t'ai rendu où? <laughs> j'ai perdu. Ici, à Bruno, il est où mon télé là? Mon télésouffleur. Euh, non, j'ai perdu ce que j'étais. Ouais, la productivité. Et euh, on voulait faire travailler 37h30 parce qu'il y avait des gens qui faisaient de l'overtime. Hein, comme des ben, les gens qui font de l'overtime, mais il y en a beaucoup qui ne font pas. Et c'est sûr là, peu importe comment on les du lait, la moyenne sur 3000 employés, la moyenne des heures de travaillées était 30.73 exactement. Donc 31 heures travaillées. C'est ça qu'il faut augmenter en partant. La productivité, ben, on n'est pas assez robotisé au Québec. J'en ai parlé cette semaine. On n'est pas assez robotisé. Tout simplement, on refuse la robotisation. On attend que le gouvernement, donne-moi donne de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. On peut faire des affaires sur nous autres-mêmes. Regardez, à ma petite échelle, j'avais huit personnes qui faisaient des meringues. Les fameuses larmes de dragon. Hein? Les fameuses larmes de dragon. Huit personnes, à journée longue, ting, 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 ting. Hein? Ils ne disaient pas ça aux autres, là, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais huit personnes, j'ai bien vu que ça n'avait aucun bon sens si je voulais prendre de l'expansion. J'ai investi, j'ai trouvé quelqu'un qui va faire une machine spécialisée. Et maintenant, une seule personne est capable de faire plus de meringue que huit personnes dans une journée. Hein? En à peine deux heures de travail, on s'est modernisé. Je ne vais pas demander de subvention. Là. Je l'ai ça avait bien de l'allure. Il fallait que je coupe la main d'œuvre Et je ne pouvais pas dépendre sur huit personnes pour prendre de l'expansion. Je serais rendu peut-être à 16 ou 20 personnes qui feraient des meringues. Ça n'a aucun bon sens, là. au point de vue rentabilité. Ça ne fait aucun sens. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, oh my God, j'ai pris les pieds croisés. Avez-vous vu, vous autres, Pierre-Bruno, les pieds croisés pendant qu'il vous parle? Ici, Pierre-Bruno. <laughs> fait que euh, on est rendu où? Hey, Morneau pis Trudeau. Ça, Morneau puis Trudeau, euh, euh, c'était pas l'amour, hein? Moi, j'ai rencontré, euh, là, un vieux bonhomme qui raconte des anecdotes, mais quand je euh, quand on m'avait approché de me lancer en politique en 2015, j'avais rencontré Bill Morneau euh, sur la rue Pile, comment il s'appelle le, 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 la place de Poisson? Là. Euh, Ferreira, chez Ferreira, j'avais rencontré Bill Morneau. Et euh, justement, je savais qu'il était pour le ministre des Finances, on me voyait plus à l'économie. Euh, on avait parlé de comment qu'on voyait les finances. Une grande discussion de... Le cerveau, là. Et toi, and uh, you, uh, Bill, Bill, uh, how do you see that? Uh, et uh, répond, well, François, je pense que je think I do. <laughs> Il parle français, Bill Morneau. Qui est l'ancien ben, ministre des Finances du Canada, là, hein? Et la chicane, ben, quand, okay, j'ai, parlé avec lui deux fois. Ok, j'ai passé deux heures, puis après ça, on avait parlé au téléphone. J'ai bien vu que quand je voyais les, euh, que Matt Trudeau dépensait, que ça représentait pas le gars que j'avais rencontré sur sa vision. Merci pour les belles commandes, ça rentre au poste, les livres sortent tellement que c'est dans du top la nuit. <laughs> j'aime ça, j'aime ça, c'est un très beau livre. Euh, donc, c'est ça, j'ai bien vu, et euh, ben, la chicane éclatait, hein? on voyait bien que c'était les dépenses. Trudeau retient de son père, il dépense sans compter, puis l'autre, hein? on va y aller mollo, là. on va y aller mollo. Donc, euh, c'était normal que c'était pas pour passer, ben, ça pète au frais, justement. Il y a un livre qui va sortir là-dessus pour nous dire c'était pas l'amour. Ben, le gars, ça a créé son camp. Bien évident que c'était pas l'amour, hein? Alors, ça a l'air qu'apprendre à se comporter, il y a une étude faite avec les HEC de Montréal et les HEC de Paris. Hein? Euh, ça a l'air que quand on apprend aux jeunes de se comporter quand ils sont jeunes, hein? euh, soit avec les femmes, soit avec les armes, avec euh, euh, toute la façon de se comporter en général, un dollar investi dans le comportement, alors que la personne a moins de 10 ans, vaut 11 dollars plus tard. Ça veut dire que ce serait des gens qui ne seront pas sur l'assistance sociale ou en prison. <laughs> Donc, un dollar investi dans le comportement humain, hein, sur les euh, sociaux euh, et, et le, le, le comportement émotionnel, ben, tu vas faire, ça va rapporter 11 piastres à la société plus tard, ceci étant dit. Voilà. voilà. Prends une gorgée d'eau, on s'en va au Québec dans les élections, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe ça, ici? Comment ça se passe? Faites un petit peu plus de likes. Hein? Je parle à ma gang sur TikTok. Si vous voulez voir le show la nuit en direct. Je suis, il est 3 heures du matin, je suis sur TikTok. Ça impressionne beaucoup les gens. Qu'est-ce qu'il fait sur TikTok la nuit? Hey, il fabille la nuit. C'est la nuit. Bon, mais c'est ça. Je l'appelle Lambert la nuit. Tu arrives dans la nuit, tu te vois un, un live, c'est marqué Lambert la nuit. Tu te dis, d'après moi, il est debout la nuit. Ben oui, je suis debout la nuit. Pourquoi Pour faire ça en ce moment. Euh, euh, François Legault se fait tapasser en tabarnouche hein, sur son sa, sa petite phrase sur l'immigration. Euh, c'est sûr que les partis politiques vont sauter là-dessus à pieds joints. Là, c'est sûr, faut faire attention parce que, est... bref, ce qu'il a dit, c'est sûr que ça a mal passé. Là. Ça a mal passé. Ce qui va perdre des points, ben, c'est sûr, quand tu dis quelque chose qui est pas correct, politiquement correct, en, en élection, ça passe pas bien. Donc, euh, est-ce que les autres partis vont dire on a le vent dans les voiles hein? D'ailleurs, François Legault qui a pris une pause euh, de la campagne hier, avec raison. Avec raison. Il n'y a que ça dans les nouvelles. C'est tellement difficile de trouver quelque chose. Donc, tu le sais que peu importe ce que tu annonces hier, là, ça passe dans le beurre. C'est la reine. Hein? La reine est décédée. Les journaux, ce n'est que ça à travers le monde. Donc, c'est une bonne, une bonne raison de, 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 de prendre une pause. Euh, et surtout qu'on le court après pour l'immigration. Vive la reine. Ça y donne une pause, justement, de, de se recentrer. Pendant ce temps-là, PSPP refuse qu'on mette le drapeau en berne. Hey, Joe Biden aux États-Unis, c'est même pas parti de, 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 du Commonwealth, hein? Et, euh, il a mis les drapeaux des États-Unis en berne. La madame était en, en c'est une chef d'État, quand même. Ah, beau, bon, ça a beau être une reine. Mais elle était là pendant 70 ans. C'est une femme avec de la classe. Quand tu sais te comporter, là, hein, tu prends ton trou. Il reste que, on fait partie de la monarchie britannique. Qu'on aime ça ou pas. On s'en balance, la réalité. On s'en fout. Ben, surtout les Québécois, les Anglos, c'est différent. Mais à un moment donné, c'est juste une question de respect, OK? Elle a fait partie de nos vies. Tu sais, c'est comme si tu te sépares avec quelqu'un, un, hein? Puis là, tu décides de ne plus lui parler dans la maison et de l'ignorer ben, raide. À un moment donné, là, hein? on va peut-être se séparer de la, de la monarchie. Je, pourrais, je serais le premier à pas pleurer, laisser tomber la gouverneur générale, certainement, le lieutenant. Toutes ces choses-là. Okay? Mais les choses, entre-temps, qu'on doit faire, c'est manquer de classe. Mais c'est ça. Paul Saint-Pierre, Plamondon ne pourra jamais être premier ministre, ne nous amènera jamais. Vers l'indépendance parce que tu dois être de la classe, tu dois être du leadership et tu dois être un leader pour nous faire rêver. Il n'y a rien qui est un Fait que euh, voilà, hein? Voilà. Très triste de voir ça. Un moment il faut que tu me laisses côté. Tu peux dire Regarde, on n'est pas d'accord, mais quel parcours! Juste pour son parcours, d'avoir fait partie de nos vies sans faire partie. On a quand même peut-être un petit 20 qui traîne dans nos poches. Dites-le pas à Québec solidaire, il va dire C'est à moi C'est à moi ça. Hein? Euh, ben, justement, Québec Soldat, il a dit, on reculera pas. Pas besoin de reculer, man. T'avances pas. <laughs> son idée, surtout de son idée d'imposer les, les riches, hein. Euh, on reculera pas. Ben non, mais t'avances pas. Pour reculer, hein. il faut t'aille avancer quelque part, hein. que... d'ailleurs, Manon Massé disait tout le temps, c'est juste un café par jour. Vincent Marissal, il dit, lui, c'est juste un deux pièces par terre. Hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vincent Marissal, euh, C'est l'ancien journaliste de la presse que j'ai déjà rencontré sur un plateau, puis il y avait juste des journalistes, et moi, et il ne m'a jamais regardé parce que je n'étais pas à la hauteur. Je n'étais pas journaliste. Je hein? suis juste un chroniqueur. Chroniqueur millionnaire, encore, en plus. Ça me fait rire, vous Le statut millionnaire. Pensez-vous que la plupart des gens qui sont à TV, comme euh, Julie Snyder, Véronique Cloutier Guillaume Lepage, hein? vous me faites rire. Le parti. Ah, euh, oh, écoute, je suis d'accord avec Duhem. Écoutez-vous ça, ça. Je suis d'accord avec du M. Euh Duhem il dit, si on rentre au pouvoir, je vais geler le budget. Donc, le budget actuel, là, il coupe personne. Mais si on veut dépenser supplémentaire, il faut trouver de l'argent partout. Hey, ça, là, ça, ça me rejoint. Hein? Ça me rejoint. Tu sais, on peut pas toujours être contre quelqu'un. Ben, contre Québec Soldat, j'attends quelque chose. Ça fait plusieurs années. Depuis qu'il existe, que j'attends un bon coup pour dire, hey, c'est un bon coup. Euh, non, mais ça me dérange pas la taxe sur les autos, par contre. La nouvelle taxe de luxe sur les autos, ça me dérange pas. C'est un bien de consommation. Ça, pour moi, si tu es capable d'acheter un char euh, qui vaut très, très cher, go for it. Là. Rajouter une petite taxe, ça me dérange pas pantoute. C'est pas mal le cas dans tous les pays, de toute façon, sauf qu'on en paye déjà euh, à travers l'immatriculation. Euh, euh, donc, le, le Parti con, conservateur dit, oui, on gèle le budget. Si tu veux faire d'autres dépenses, fouille quelque part. Hein? Fais de la gestion, on n'appelle pas ça de l'austérité. Moi, c'est le même que j'ai à mon entreprise. Ils veulent avoir de l'argent, ben, j'ai dit fais plus de ventes. On n'est pas capable de faire plus de ventes. Ben, on coupe quelque part. Hein? C'est tout simplement. Tout le monde fait ça dans son budget. Vous faites tout ça. Donc, on ne peut pas ne pas être en accord avec euh, du même là-dessus. Je pense que euh, celle-là, il faut y donner. On est tous en accord. On est-tu tous en accord? Oui! Ah, bravo. Liberté! Il fallait que j'en rajoute. <laughs> Euh... Je marque autre chose, mais je passe à autre chose. Êtes-vous tombé sur la tête? Je prends une petite gorgée d'eau. Je prends une petite gorgée d'eau. Oui, bon, merci. Euh, merci, merci, merci. Hey, le diesel, hey, la première fois que j'ai été en France, êtes-vous tombé sur la tête? Je vais vous parler du fuel. Le diesel, la première fois que j'étais en France, j'avais pris une auto au gazole. Hey, quand tu tu dis du gazole. J'étais je suis allé au service à l'auto de McDonald's et j'ai demandé « Prendre un trio avec un coke. »« Pardon? <laughs> »« Des fois, ils font semblant de ne pas comprendre les Français. Je les aime, là. Tu sais, le, 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 j'ai bien compris qu'on ne disait pas ça. Mais euh, ben oui, j'avais appris le mot « gazole ». Nous autres, chez nous, on, appelait, on disait du « fuel. ».« Peux-tu mettre du fuel dans le tracteur? Tu » sais, Je ne parlais pas un mot anglais, mais je savais que le mot « fuel c'était ça. Euh, donc, du « diesel ». Historiquement, le diesel a toujours coûté moins cher que euh, la gasoline. Et euh, dernièrement, euh, la, le, 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 le diesel coûte plus cher, mais beaucoup plus cher. Je roule, mon camion, je roule au diesel. Je sais que ça coûte plus cher parce que t'arrives à Pont, tu fais, mais pourquoi 25 cents de plus euh, Tout simplement, l'offre et la demande. Hein? Ce qu'il faut euh, ne, ne jamais oublier, c'est que le, le diesel euh, fait rouler l'économie, alors que le gaz fait rouler ton char. Je l'ai marqué ici. C'est en anglais. J'ai été capable de le traduire en vous parlant sans utiliser Google Translate. Oui, les camions, les trains, les bateaux. Non, les bateaux, je pense que c'est autre chose. Pas les avions. Un avion au diesel. Ça, les saigner les injecteurs. Parce que quand tu manques du diesel dans les tracteurs, il faut que tu saignes les injecteurs. Tu fais ça. Tu enlèves l'air. Sinon, ça ne marche pas. Ce qui arrive aussi, c'est la raffinerie. La raffinerie, c'est parce que les gouvernements mondiaux ont en. On veut avoir du diesel propre, on a enlevé le sulfure et bien entendu, c'est bon pour l'environnement, sauf qu'on n'a pas laissé le temps aux raffineries de se, de se moderniser. Et les raffineries, avec l'augmentation de l'utilisation du gaz, parce que ça a augmenté, donc ils ont été dans le plus facile. Ils transforment le gaz qui peut se transformer en deux, trois, en kérosène ou en autre chose, ou en plastique, et le diesel, ben, euh, tu le transformes, puis il y a juste un débouché. Donc les, les raffineries, avec l'offre, de la demande... Euh, du gaz, mon là. Donc, c'est pour ça que le diesel coûte plus cher qu'avant. Et en plus de ça, quand tu achètes un moteur diesel, ça coûte plus cher aussi. Donc, c'est pour ça que je garde mon. Euh, je vais garder mon camion un méchant bout de temps. Hein? En finance, en finance, euh, ben, première chose euh, que je viens de remarquer, euh, on me dit pourquoi, mais le Bitcoin, je vous montre ça, les amis. Regardez le Bitcoin qui explose 7 On me dit pourquoi déjà. Hein? C'est là que j'ai besoin de ma gang de TikTok qui peuvent me le dire. Euh, c'est la fête, c'est son anniversaire à Kim. On va, ben Kim Clavel, je vais te texter si c'est la fête. Ben, regardez ça. 7%. 7% d'augmentation le Bitcoin. Je ne sais pas pourquoi on me dit peut-être un, une alliance avec GameStop, mais quand même 7 c'est toute une augmentation. Dollar que j'en ai pas beaucoup. Hein? Il va y avoir des nouveaux riches aujourd'hui. Hein? Euh, D'ailleurs, euh, quand on parle de richesse, hein? Quand on parle de richesse. Euh, au Québec, on parle tout de suite, déjà sur mon statut, les plus euh, endurcis me, re me ressortent euh, « hey, les riches avec leurs paradis fiscaux ». Je connais très peu de riches et d'entrepreneurs qui ont des paradis fiscaux. Très, très peu. Cependant, je connais un méchant paquet de gens qui ont trois piastres en bitcoin et qui n'ont pas le goût de le déclarer. Hein. Vous avez, vous devez déclarer vos gains et pertes en crypto. Ça, c'est de cacher de l'argent à l'abri de l'impôt aussi. Hein. Ne l'oubliez jamais, 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 jamais. Euh, je reviens sur Celsius. Euh, euh, je reviens sur le Celsius Network, la, la Caisse de dépôt parce que il y a un gars qui m'écrit et euh, il prend toujours la, la défense. Euh, il prend toujours la défense de, de la Caisse de dépôt. Il dit Ah, c'est pas grave, c'est juste un petit 200 millions c'est juste si. Non, non, c'est pas 200 millions, c'est le principe que la caisse de dépôt n'a pas fait son due diligence. Comment? Hein? C'est sûr que ça ne passe pas. Ce n'est pas 200 millions sur des milliards. Moi, je compte en... en... Excusez, j'ai été dérangé. C'est spécial et c'est le fun et c'est réconfortant de voir que euh, toute la nuit, les commandes rentrent non-stop et il faut que je me fasse aller le doigt pour écrire. <laughs> j'ai fini ma phrase. Hein? Tu sais, quand on écrivait, quand on était jeune, est-ce que vous aviez, vous autres de la corde ici? Hein? À la fin la... Au début de l'année scolaire, on avait de la misère à écrire. Euh, mais ce qui se passe avec Celsius, c'est un, Celsius, c'est un scandale. Ils ont pas fait le due diligence. Ils ont investi là-dedans. Comme vous et moi, on voit, on entend parler gentillot. Et gentillot, toi, hein? Va investir dans Celsius Network, on va faire de l'argent. L'État du Vermont on le savait. Tout le monde le savait que c'était pas Ponzi Scheme. Et on a tombé là-dedans parce qu'on a rêvé. Et c'est comme ça. Je regarde des fois les investissements à Fitzgibbon, hein? Aussi, ils rêvent en couleur puis ils investissent en Wildfly et et tout ça. Mané, faut faire attention. Faut faire attention. Regardez, euh, Patrick Roy, des films civils, hein? Il vient de, ça vient de tomber. Il est à peine relancé, qu'il réussit à ramasser 3 millions. La plupart des entreprises qui vont avoir un prêt du gouvernement ou une subvention, ça va prendre des années, des rapports. Lui il est capable, comme ça, faut se poser des questions. Il faut qu'on se pose des questions où le gouvernement investit. Puis investir dans les films, sincèrement, Est-ce que le gouvernement doit aller là-dedans, autre que son rôle de, de, de protéger la culture, mais est-ce que c'est le gouvernement d'investissement, Québec, qui doit protéger la culture, ou le gouvernement, le ministère de la Culture? CinéWorld, la plus grande ferme euh, de cinéma au monde, est en faillite, Chapter 11, euh, aux États-Unis. Donc, ils vont se restructurer. Mais on s'entend qu'on pensait que le streaming était fini. Net, Disney vient de dépasser Netflix dans le streaming, et c'est loin d'être fini. Il y, quel, il y a eu un gros rush pendant, le, pendant la pandémie, comme Shopify aussi, qui vient de trouver un nouveau CFO. Et euh, le, le, le Shopify a descendu beaucoup. Euh, il y a beaucoup d'entreprises en ligne qui ont fermé parce qu'il y a des coûts associés. Là. Regardez, j'ai 15 000 pieds carrés. Euh, je viens de bâtir une usine. Il y a beaucoup de coûts pour faire du commerce en ligne. Mais c'est ce que j'ai choisi. Euh, mais euh, voilà, voilà, voilà. Hein? Donc, est-ce que le gouvernement doit investir là-dedans? C'est normal qu'il y ait des, 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 des baisses. Là, je reviens à Celsius, mais je reviens à Cinema World. D'ailleurs, Goodyear, on ne l'entend pas, pas trop parler, hein? Il n'entend pas trop parler. Êtes-vous allé dans ces cinémas dernièrement? Moi, deux fois, j'y étais et j'ai dit que j'y allais plus, je l'avais même écrit pour dire Fais-nous ton ménage, c'est crotté chez vous. Et euh, je ne sais pas, depuis ce temps-là, j'ai décidé de plus y aller. Parce que quand j'y ai parlé, il dit ah, je, ok, je m'en occupe, j'ai retourné deux semaines après, c'était encore plus crotté. Fait que je ne mets pas mes pieds dans des places Crotté. inutilement. Je vous montre qu ce qui se passe dans les euh, commodités. Le cuivre monte. Le bois remonte, on... Écoute, ça, ça... On a été un beau vendredi. Un beau vendredi, tout remonte. Hein? Voilà. Voilà, voilà. Boulou, boulou, boulou. Les insolites, les petites gorgées d'eau. on s'en va, dans les insolites. Breathe in, breathe out. Quand on respire, et c'est pour ça que les exercices de respiration c'est excellent. Hein? Si on veut oxygéner notre cerveau, à chaque fois qu'on qu'on respire, hein, qu'on inspire, euh, 25% de l'air qu'on inspire s'en va au cerveau. Donc des fois là, quand, quand, mettons, t'es es en mauzée après quelqu'un, quelqu'un t'en en maudit après toi, tu dis hey, « respire, 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 hein? il manque d'air. <laughs> <manque d> <laughs> Euh, mettons tu es sur un road rage puis le gars sort d'auto pis il veut te casser la tu juste ouvrir sa, ta, ta fenêtre et Hey, respire, man! Hein? » J'ai la bougie « Respire ». Si jamais tu manques de ça, j'en profite pour plugger mes produits. La bougie numéro 29, qui est la plus vendue justement. Je pense que les gens ont besoin de « respirer. Ça te force à respirer. Fais... Ça sent bon. Comme là, ça sent la lavande. Ça aussi, ça fait du bien aussi. Hein? Ça sent la lavande ici. « Avez-vous peur d'avoir peur? » Hier, il y a quelqu'un qui m'a inspiré sur TikTok. Malheureusement, elle a peur d'avoir peur. On appelle ça la photophobie. La peur d'avoir peur. Hein? Quand même. Euh, J'ai parlé beaucoup de, de la gomme dernièrement hein, sur Wrigley, la gomme Trills, la gomme... Euh. Vous savez que la gomme est interdite en Singapour depuis 1992. Il y a eu, euh, seulement depuis 2004, tu as le droit de manger de la gomme si c'est pour des raisons médicales, donc de la nicotine. Euh, pourquoi? Parce que tout le monde garochait sa gomme par terre. Donc, à Singapour, ils Ah oui, vous voulez jeter votre gomme par terre Et les euh, défendeurs de la liberté, ici, là, qui, euh, qui sont derrière euh, un certain parti, ils capoteront en tabarnon. plus de gomme. C'est interdit. Tu ne peux pas manger de la gomme à, à 92. Fait que Denis Coderre ne peut pas aller vivre à Singapour. Hey, moi, je suis capable de manger de la gomme en parlant. Prison. Denis Coderre en prison. <laughs> un profil. Non, hein, Denis Coderre en prison pour avoir un marché de la gomme à Singapour. Et En Australie, euh, des lois bizarres, j'aime ça, vous sortez des petites lois bizarres. En Australie, il était illégal de changer une ampoule. Jusqu'à dernièrement, il fallait que ce soit fait par un électricien. Ils ont abrogé la loi. Hein, ils ont... Ça se dit ça? Ils ont changé la loi parce que ça n'avait pas de sens. C'était illégal. Ça, c'était. Le syndicat des électriciens, ils ont dit euh, Tiens, cette lampe-là, non, touche pas à ça. Hein? J'aurais eu étiquette d'avoir touché une lumière. <laughs> Oh, et euh, je termine. Selon une étude de Harvard, hein, j'aime ça les études, les athées, ceux qui ne croient à rien, ont un cossin intellectuel plus élevé que les autres groupes religieux. La moyenne des gens qui, ont un, qui sont athées, qui ne croient pas à rien, ont un cossin intellectuel de 119. Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités en ce beau vendredi. Le, 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 le 9. Peut-être j'ai dit le 6 au début, mais on est le 9. Hein, j'ai pas parlé pendant trois jours, là. On est le 9 septembre. Merci. Merci. Merci pour euh, d'être avec moi tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de le partager. C'est apprécié. De laisser un commentaire. Youtube, même ça. Et euh, merci de nous faire confiance. Allez aller découvrir le livre qu'on vient d'écrire, le livre de recettes. C'est vraiment un beau livre. Les belles recettes du samedi soir qu'on peut manger le mardi soir. Facile et euh, élaboré, mais vraiment d'une façon facile. Euh, François one. Merci. Bye.